Du délit de fuite à l'ouverture d'une enquête pour disparition inquiétante, l'affaire Marouane Bérénine ne finit pas d'interroger. Au risque, pour certains, de trouver des réponses hâtives en liant cette histoire et l'affaire Pierre Palmade. Certes, Marouane Bérénine est suspectée dans une affaire d'accident de voiture. Mais l'acteur de Plus belle la vie n'est pas suspecté d'avoir consommé de la drogue et il demeure introuvable depuis le 3 août dernier. Le parallèle est également violemment réfuté du côté des équipes de la série née sur France 3 et désormais rachetée par TF1. Autant sur d'autres tournages, on sait que certains acteurs peuvent prendre de la drogue, mais ce n'est pas le cas à Plus belle la vie, assure un technicien de la série interrogé par Paris Match. Je n'en ai surtout jamais entendu parler en ce qui concerne Marouane, c'est un mec vraiment bien. Auprès de nos confrères, les acteurs, techniques, coiffeurs et maquilleurs de Plus belle la vie affirment tous ne pas croire en un scénario à la Palmade. Marouane Bérénine, ses collègues, voisins et amis très inquiets face à la disparition de Marouane Bérénine, le silence a dominé pendant plusieurs longues semaines. Mais l'entourage a fini par prendre la parole sur l'acteur qui n'a plus donné signe de vie depuis presque 2 mois. De nombreuses personnalités de Plus belle la vie ont fini par prendre la parole, essentiellement pour dire leur inquiétude et leur soutien à leurs collègues. Dans les colonnes du Figaro, l'un des voisins de l'acteur loue un jeune homme très sympathique, que l'on croisait souvent et qui ne se prend pas pour une star. Il avait toujours un sourire spontané. Ça se voit qu'il aime la vie, abonde un décorateur de la série télévisée dans les colonnes de Paris Match. J'ai le cœur gros, s'attriste dans la même parution l'une des coiffeuses de Plus belle la vie. Collègues, voisins ou amis de Marouane Bérénine, ils sont désormais malheureusement peu nombreux à croire encore en une fin heureuse dans cette affaire. Crédit photo, JLPPA.